Bienvenue sur la chaîne LST Media. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus visiter la ferme Dir et Dirissal. Ce ne sera pas une visite comme tous les autres parce que aujourd'hui, nous serons accompagnés de Nardine Laure Ouguibon, épouse Djonda, PDG de la structure Dirissal. La D&D salle, pour ceux qui ne savent pas, est cette grande ferme spécialisée dans la production des pondeuses avec des ambitions encore plus grandes. Au cours de ce reportage, nous aurons tous les détails. Avant d'arriver à la ferme, nous ferons un détour dans l'unité de production des aliments. Bref, la provenderie de la D et des salles. C'est un espace situé non loin de la nouvelle mairie et qui a pour principale activité la production des proventes des aliments complets de toute nature, destiné uniquement au service de la D et Dirissal. Obassa, qui est le chef de cet espace, nous explique en détail. Suivons plutôt. Bon, ça se passe comment ici au Bassa? Ah, c'est comme ça. Tu écrases la coquille. Et l'os. Et c'est l'os. Ça, c'est l'os. Et c'est pour la coquille. Ça, et c'est l'os. La coquille. D'accord. Ok. Tout ça comme ça, c'est la coquille. Oui, tout ça, c'est la coquille. Ok. Ici, on trouve une balance. Ça, c'est pour peser la main. C'est 50 kilos. Dans une balance de 50 kilos. Ok. Mangeur. Broyeur. Ici, nous retrouvons un broyeur. Oui. On peut démarrer. Dans cette grande chaîne de production de la Dirissal. Ici, c'est le circuit de démarrage du broyeur. Oui. Ok. C'est le manager, le broyeur, c'est ici. Ok. On fait démarrer quelque chose. Tout ça sont des produits déjà consommables. Comme ceci, elles sont les arachides. Là, ce sont les arachides déjà transformés. Oui. Oui. C'est pour les poules, toujours? C'est pour les poules. Oui. Oui. Ok. On passe maintenant ici. Ça, c'est la coquille. Ça, c'est la coquille. C'est l'os. Oui. Et... Super. C'est le parmis. Pour le moment, c'est uniquement pour la ferme. Oui. Les gens ne viennent pas acheter. Pas encore pour le moment. Et la ferme peut consommer combien de sacs d'aliments par semaine? 50 sacs. Ah, 50 sacs par semaine. Même parfois plus. Ok.
Ça se concentrer. Oui. Ça c'est le concentré. Ouais. Et plus haut là, on a quoi? Ça c'est le maïs. Le maïs déjà écrasé? Pas encore. Maïs non écrasé. Non écrasé. Vous faites comment? Vous procurez du maïs ou vous avez lancé une ferme de culture de maïs? Non, pour le moment pas encore. Pour le moment vous achetez? Oui, on achète. Ok. Comme nous le disons précédemment, cette unité de production des provantes est uniquement destinée au service de la D et des sables. Les ambitions sont grandes et avec cette visite surprise de Nardine, les choses seront encore plus claires parce que la PDG a décidé de faire un tour dans ces différentes entreprises, commençant par la provenderie, ensuite par le grand chantier qui est non loin de Ita, et ensuite elle ira à la ferme. Suivons ce reportage de Mystère d'Onto Tchoupé pour LST Média. Comme à la ferme, les mesures de sécurité sont prises à la base, peu importe qui arrive. La séance de désinfection est obligatoire. Il veut te. Gombo, gombo, l'eau collée. C'est même entré dans ma bouche. Vu que l'ambition première de Nadine est de partir de 15 000 sujets à plus de 100 000 sujets, elle se pose la question de savoir est-ce que cette machine unique peut servir pour tous les projets à venir. Et donc, c'est donc sa première préoccupation. Aïe, ce qu'on va ouvrir, qu'on va lancer le côté là, une seule machine, va servir les gens. Non, ça va servir. Ça va pas lâcher. Non, ça va pas lâcher. Parce que n'importe quoi que tu utilises sans repos, voilà ce qu'on va faire pour éviter le lâchage. Oui. S'acheter un autre moteur comme ça. Oui. Garder, ça veut dire. Bon, ça t'arrive, il a dit, il a tout dit. Donc, dès que le moteur est en panne, oui. On change. Change. Donc, tu as tout dit. Avant d'aller. Là, maintenant, c'est le moteur qui va s'échauffer. Le moteur. Le chauffage, oui. Ça arrête la machine. En ce moment, on est d'accord. Tu as besoin de trois moteurs. Tu as besoin de trois moteurs par terre. Parce que tu ne veux même pas que tu sois au travail, comment tu... Plus grand que ça, quand même, les machines... Plus costaud. Avec les performances. Mais avec le niveau que nous avons maintenant, c'est une première machine. On voit que j'ai une capacité extrêmement élevée, un investissement tellement colossal que nous ne pouvons pas nous rentabiliser, peut-être même à 20% avec nos propres installations. Ce sera un investissement. Ça va pas, c'est 20%, les poules, on va manger ça en un an. C'est beaucoup. Ça ne bouge pas, tellement. Que c'est beaucoup. Oui, pour moi. Le maïs, c'est beaucoup. Le maïs, c'est pas aussi. Mais ça, quand ça a tenu pour tout manger. Ça, c'est le maïs, c'est déjà mélangé. Non, le son. Le son de blé. C'est tout. Mais c'est pas le son de blé. On sort l'huile de soja, on sort l'huile de soja, on fait le couteau. Oui. Et on a le couteau de soja. Donc ça fait, ils ont une réduction complète. En principe. Bon, on va élever les machines, on va faire la charpente, on rejoint la ceci. On tolle. Ça va pas. Après cette courte visite à la provenderie,
Nous prenons la route du nouveau site. Nadine, sans complexe, choisit d'y aller à moto. Direction Ita. Pour ceux qui le savent, toujours non loin de la nouvelle mairie, un site réservé à la production des porcs, des poissons et également prévu pour la production de plus de 100 000 sujets de pondeuses et de poulets de chair. Allons donc à la découverte de ce nouveau site. Comme vous pouvez le constater, ce site, encore en chantier, est prévu pour la construction de plus de 500 bâtiments réservés pour la pisciculture, l'élevage des porcs et également des poulets de toute nature. Premier souci de Madame Chuanda étant de réduire au maximum le chômage à Penka Michel. Alors, elle promet de recruter plus de 500 jeunes qui se mettront au service de la DIDSAL. La bonne nouvelle pour toute la population de Penka Michel et environ, la direction de la DIDSAL est déjà ouverte et n'attend plus que vos demandes d'emploi. Courez, courez comme vous pouvez. C'est comment? Une journée marathon surchargée. C'est sous cette grande pluie que nous faisons notre arrivée à la ferme DIDSAL située à Bansois, non loin du carrefour Boncœur. Déjà plus d'une année que ce projet a vu le jour. C'est la première fois que Nardine visite le site. La joie est immense car à travers le soutien et à travers la bonne prise en charge de la ferme par le directeur et par l'ingénieur, nous comprenons qu'il est possible de faire des projets
même à distance. Merci beaucoup. Vous avez pensé à moi. Voilà. Merci, mesdames. Ok. Et... bon, nous on va exécuter le refrain de l'hymne national. Et puis, je ne sais pas d'autre. Non, ben, en principe, on va. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre délire, et à toi l'amour et le grand honneur. La ferme DED, ça. Moi, c'est Armel Fedio-Bac. Je suis l'ingénieur en charge du projet. Et déjà bien connu. Papa Sylvestre Joupé. Il est le directeur général. Vous avez. Merci. Ok. Vous avez maman Nelly. Elle est ici en tant que volailler. Vous avez monsieur Ndunda. Lui, il est machiniste à la provenderie. Vous avez. C'est pour rien. Oui. Vous avez mademoiselle Megan. Elle est ici en tant que secrétaire et. Elle officie aussi en tant que volailler ici à la ferme. C'est vrai, le protocole n'a pas été suffisamment respecté. J'aurais pu commencer par l'ingénieur Teko Fujo Bonas. Il est le chef de ferme ici. Et vous avez également le technicien supérieur, Louis. Lui, il est le chef provendier. Je suis au niveau de la provendier en tant que chef provendier. Vous avez monsieur Christian, lui il est ici en tant que provendier, il travaille à la provenderie. Vous avez monsieur Eman, monsieur Eman ici, ici en tant que volailler. Vous avez monsieur Hervé, lui il est ici en tant que volailler. Okay. Vous avez monsieur Nupo Serge ici comme volailler. Et vous avez monsieur. Monsieur Ngouté Déric est ici comme vous l'avez. Voilà. Souvent une fois de plus, maman, sentez-vous à l'aise sur vous. Avant que nous n'entrons, nous ne pouvons pas vous laisser entrer sans vous donner le cadeau spécial que la ferme des salles a prévu pour vous. Je vais me charger de vous remettre ces cadeaux. Il y a quoi de plus grand que l'arbre de paix? Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi ce cadeau il est assez spécial. Maman, nous savons que vous n'êtes pas que nationale, vous n'êtes pas qu'africaine. Aujourd'hui, vous êtes internationale. Et c'est vrai, vous êtes internationale, mais la DED Salle se veut d'abord aujourd'hui conquérir l'Afrique. Un peu comme je l'ai dit toujours depuis le départ, nous voudrions conquérir d'abord le marché de Pinkamichel, le marché de la Ménois, le marché du Cameroun et même le marché de l'Afrique. Voilà pourquoi ce cadeau symbolise le marché que veut conquérir la ferme DED Salle actuellement à travers ses différentes activités, que ce soit l'activité de production d'œufs de table ou encore l'activité de production porcine, l'activité de production de poissons. Nous voudrions bien conquérir toute l'Afrique entière. Et bien évidemment, puisque vous êtes international, nous savons que avec votre aide et avec votre bonne manière de faire, comme vous savez bien le faire, nous pourrions également conquérir le monde entier à travers nos activités. Voilà, ce cadeau, il est encore plus spécial parce qu'il porte notre tout premier œuf. Yes. Pour moi, maman, c'est avec grand plaisir, c'est avec tout l'honneur aussi. Merci beaucoup. Merci. Non. Ça va pas se casser. Vous avez conservé. On a conservé. Non, on n'a pas conservé. On n'a pas encore trouvé un moyen de conserver, mais on le fera. Tu peux partir avec, non? Ah, bien sûr. Tu dois partir avec ça. Bon, donc on va savoir comment on fait. Il n'y a pas de souci. On va trouver ça. Okay. On va trouver. On va couper. Il faut voir comment positionner ça dans la voiture. On coupe la verbe. Sauf si tu devais les remercier avant la photo. Ça peut bouger, hein? L'homme n'a pas bougé. Ça bouge pas, ça bouge pas. Ça peut bouger, mais ça peut pas tomber. Ça peut pas tomber. Ça peut pas tomber. Ok.
Merci pour moi. C'était un rêve qui est devenu réalité. Ceci est un rêve devenu réalité. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite entreprise comme celle-ci. Et mon rêve ne fait que commencer. Ensemble, nous allions faire de grandes choses. Cette œuvre symbolise le départ d'une très grande chose et d'une très belle aventure que chacun de nous allions vivre. Merci beaucoup. Avant d'accéder au site, les règles de sécurité sont applicables à tout le monde sans exception. Maintenant, la visite du site peut commencer. Suivons attentivement ce reportage fait sous la pluie. On n'est pas supposé laver avec du savon. Voilà, le local dans lequel nous nous trouvons, c'est un peu petit, c'est aussi pour le sécurité que nous avons. Les employés le matin, dès un peu comme vous voyez, tous leurs équipements qui viennent de la maison, ici, à l'intérieur, ne sortent que d'ici, par le changement. Ici, vite. En fait, avec les espaces qui étaient assez réduits ici, nous n'avons pas fait un dispositif qui voilà, une salle privée. Sinon, de l'autre côté, nous envisageons bien évidemment faire une salle de douche où les gens vont se laver le matin et avant d'entrer. Et on profitera là-bas pour que les gens ne fuient pas loin, on va mettre des dispositifs de chauffage. Que les gens aient la possibilité de se laver véritablement le matin avant d'avoir accès. Donc, tenez ce que vous voulez ici.
Je vais partir avec quelque chose. Donc, comme vous l'avez constaté, devant chaque salle, mm-hmm. chaque salle, on a ce même dispositif de sécurité. Oui, oui, oui. Parce que le principe, une maladie arrive à attaquer cette salle. Oui. Qu'on ait la possibilité de contrôler cette maladie-là ici. Oui. C'est vrai, on va administrer des médicaments dans tout le site, mais on évitera davantage que la maladie puisse être transportée directement dans ce bâtiment. C'est pourquoi il y a cette distance-là aussi, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a cette distance-là aussi. Oui. Mais aussi, ce qu'on voudrait, c'est que lorsque l'employé qui travaille dans ce bâtiment, il désinfecte ses pieds. Oui. Lorsqu'il va ressortir, il désinfecte. Oui. Ça veut dire, s'il a transporté un micro-organisme pour entrer, oui. pour entrer, ce micro-organisme va califier. Oui. Si à l'intérieur, il y a un micro-organisme, on oui. sera sûr oui. également que ce micro-organisme va sortir avec. C'est-à-dire le soleil qui peut découvrir la qualité de l'eau, ou encore les oiseaux qui peuvent venir déféquer sur le capitaine et reconstituer sur des contaminations. Donc véritablement, vous allez vous rendre compte en agriculture ou encore en élevage, on mettra davantage de l'accent sur l'hygiène. Comment c'est. Il reste comme depuis le premier jour, les budgets que vous avez toujours, dont vous avez toujours parlé. Véritablement, il faut toujours faire assurer de la santé. Elle mourait chaque jour là. Hein. Non, je ne savais pas que ce jour ci allait finalement arriver. Avec quelque chose encore avoir ça. Les survivants. Ça m'inquiétait vraiment. Non, même aujourd'hui, on arrive toujours à réussir les mentalités, mais rassurez-vous, tous ces aspects-là sont pris en considération. Tous ces aspects sont pris en considération. Vous allez voir sa tête basse, elle va tomber. Voilà. Ça. De pour tout construire. Ça, c'est la viande. Hein? C'est la viande, c'est la viande. C'est beau, hein? Donas, essaye d'apprêter. Même s'il faut prendre un CD, de mettre un peu dans le bâtiment. On va enlever la belle fin de la massacre. La satisfaction est totale. Comment se rassure que la nourriture qu'on met, elle ne baisse pas? Non, justement, les mangeoires sont comme vous pouvez le voir. La hauteur? Non, pas seulement la hauteur, mais l'endroit-ci. Oui. Ça ne permet pas qu'il puisse. Ok. Mmh. Ah, tu as vu, non? Oui, je vois maintenant. Qu'elle puisse faire comme ça. Oui. Elle ne fait pas. Oui. Même si elles arrivent à ajouter quelque chose. C'était déjà bien pensé. Voilà, c'est le système d'irrigation, le système d'eau aussi là. Le système d'eau. Donc, l'eau qui peut dans les groupes capitaines d'eau, ça passe par. C'est comment? Non, dans le bâtiment. Dans le bâtiment A, vous aurez l'occasion d'expérimenter le ramassage des eaux. Oui. Ça chauffe encore. Oui, elle vient bien. Et quand ça chauffe? Tremper les pieds. Bonjour. Et tremper que ça a traversé. Ah.
partir, son aide casse. On enlève la salle une fois. C'est bon, si vous voulez. On nettoie à quel moment? En calibrant, en soudant dans les avions. Sous le regard vigilant du directeur et de l'ingénieur. Ouais. J'ai rêvé de ce moment depuis des années, tu vas comprendre. Voilà, c'est cet exercice. C'est après, tu vas casser, hein? Oui, oui. Il faut être doux. Tout à l'heure, on va aller au calibrage. Voilà, s'il faut venir avec un petit sac d'aliments. Un petit sac d'aliments. Suffisamment. Il faudra que la main puisse toucher du doigt toutes vos activités quotidiennes. Monte dans le camba. Tu fais l'essentiel. D'abord, on aura plus tard. Puis je crois en Zanga déjà. Mélanie est déjà rodée là-dedans. Je pense que c'est le pondoir qui a été réservé pour vous, Emma. Arrêtez, il m'a pas pardonné jusqu'aujourd'hui. Il a dit c'est pas possible. C'est pas toi qui veux me faire ça. Oh, belle image. Belle image. Tu as déjà pris vous. Là, avec le bec là, les crêtes là. C'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. C'est même sur ce quand la colle évalue la santé d'une profondeuse. Oui. Je suis sa crête. Oui. La coloration est belle. La coloration et puis oui. La droiture. Elles sont très belles. C'est comme si celles sont plus en santé que là-bas en bas. Hein. Non, celles sont plus. Non. Donc, voilà ce qui se passe. Elles sont plus excitées que ceux-là en bas. Ils sont à côté des gens qui dorment ici. Je vous dis, hein, c'est vrai. Ces poules sont plus contents que celles du bas. Ceux-ci-là. Oui. D'habitude, on voit les gens plus que les autres. Ok. Voilà, il y a un autre exercice. Si tu as un exercice dispositif, si tu veux là. Le dernier bâtiment là, ils sont abandonnés. Tu les vois même sur les fenêtres là, tout ça, ils sont épanouis, elles sont épanouies. Oui. Trois du genre de grosseur, c'est combien de grosseur? Petit, moyen, gros. Non, viens plutôt avec les plus petits, les BO. Viens avec un lot de BO. Il y a un gros, il y a un petit, c'est petit. Bon, c'est vrai, il y a un autre calibrage qui doit venir. À côté, en fait, c'est quatre calibrages. Il y a les BO, les PO, les MO et les GO. Vous laissez le bout qui est un peu juste en haut pour que ça puisse donner, ça puisse attirer. Voilà. Parce que si vous posez ainsi, on aura l'impression que l'œuf est trop petit, mais pas comme ça. Oh, ça c'est la politique commerciale, vous trompez les gens. Non, c'est ce que je vois. Voilà un gros. Hein? Là, c'est un gros. C'est ce que j'avais touché là. Ça va ici. Ça va. Ça va ici. Je vous jure, c'est une école.
Et puis apparemment, on n'a pas encore assez de grosses. Voilà, nous n'avons pas encore assez. Aussi bien une cliente spéciale. Elle achète que les pommes. Non, c'est vous personnellement. C'est vous qui allez acheter ces pommes. Oh, tu dois acheter les pommes. Voilà, c'est vous qui allez acheter ça. Parce que pour le moment, ces pommes-ci ne nous servent plus à rien. Oui. Il faut les vendre. Quand nous avons eu vent, notre arrivée ici, on s'est dit bon. C'est une bonne chose. Et deux jours, vous n'avez ouvert. Ça, il n'y a pas ton nom. Elles sont. Elle a raté. Non, bon, là, bon. Oh, tata, bouta. Ses lunettes sont tombées. Voilà, il faut se lécher. Voilà, c'est bon. Mais tu. Comment tu l'as encore libéré ici, t'as dit. Voilà. Maman. Maman, il y a. Un amber, mais il wink. C'est bien. Elle vous mange l'aliment pour rien. Non, non, non. Elle grandissait encore. Oui. Soyez mature. J'ai imaginé un projet comme ça. Et comme un jeu. Mon instinct m'a. La destinée nous a. M'a mis à monsieur Amel sur mon chemin. Et je me suis retrouvée à Bamendo Cheferré. Et quand je voulais passer un coup de fil, je suis montée, je cherchais le réseau et j'ai entendu la volaille chanter. J'ai pris mon courage, je suis entendu à la concession là. J'ai vu un papa assis là derrière, je lui ai dit, si vous permettez, je peux visiter votre ferme. Il m'a amené là-bas. Quand j'ai regardé la ferme, j'ai eu ce sentiment là que c'était la chose qu'il me fallait. Parce que j'ai toujours voulu donner l'emploi à mes frères. Donc, j'ai gardé ce projet-là ferme pour ne pas abandonner. J'ai cherché longtemps un espace. On n'avait jamais facilement trouvé. On a trouvé un espace, on a même abandonné. On a acheté, mais ce n'était pas propice, c'était accidenté. Jusqu'à ce que mon époux puisse acheter ce terrain. J'ai compris que c'était le moment qu'on lance ce projet. Aujourd'hui, je suis convaincue que si vous êtes assez sérieux et honnête, on pourra non seulement grandir, mais vous verrez aussi vos salaires grandir. Parce que mon projet n'était jamais pour faire trop d'argent. Mon projet était d'abord de donner l'emploi à mes frères. Voir que je contribue à ma manière à réduire le chômage dans mon village. C'était ça mon objectif premier. Certains gens vous diront que c'est pas ça. Quand on commence, on ne paye pas, c'est vrai. Mais j'aime poser des actes sociables dont la rentabilité n'est pas forcément l'argent qui entre dans mes poches. Mais cette joie-là que je sais que quelque part, vous payez les médicaments de quelqu'un qui est malade, que vous prenez soin de vous-même et que ça puisse inspirer d'autres personnes de faire comme nous. Et si vous donnez votre meilleur, nous serons non seulement une ferme qui va rapidement grandir, mais on va grandir avec la renommée et la belle réputation. La seule chose qui détruit une entreprise, c'est la malhonnêteté, c'est l'insubordination et la passion. Il faut avoir la passion pour ce que vous faites, même si ça ne résout pas encore à 100% vos problèmes. Si vous êtes là, c'est aussi parce que même le Très-Haut a voulu que vous alliez passer par là. Ça peut être seulement un pont. Mais pendant que vous traversez ça, donnez votre 100%. Pour que demain, vous puissiez dire que la ferme là, j'ai écrit mon histoire là-bas. Je suis parti et je peux demander à M. Sylvestre ou à Amel demain de,
de quand je demande l'emploi quelque part, vous pouvez partir dans une autre ferme à Douala aujourd'hui et vous dites que vous allez travailler à DDFR. Vous êtes confiant que si vous donnez mon numéro, le numéro de Amel pour qu'on donne le, pour la référence, vous saurez qu'on va donner de. On va parler en positif de vous et vous serez recruté. Donc, pour moi, rien. Pour moi, ce n'est que l'étincelle d'une très belle chose. Vous n'avez pas une idée de ce qu'on peut faire dans les prochaines années. Je suis déterminé qu'on puisse demain être la plus grosse ferme de l'Ouest. On va commencer comme ça. Et ce sera, il n'y aura personne d'autre qui va profiter des promotions que vous, la première génération. Même les postes, quand les postes de responsabilité vont se créer, ils doivent d'abord être ceux-là qu'on met au devant. C'est-à-dire que cette maison-ci, ce n'est que pour prendre de l'expérience, pour devenir des chefs. L'entreprise qui est en train de naître là-bas, je ne vais pas vous voir ici, je vais vous être des chefs là-bas. Vous devriez dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Parce que vous allez montrer que la ferme, c'était la référence. Voilà. C'est comme ça que la promotion va se faire. Il ne faudrait pas qu'on fasse une année de travail sans rien, une promotion et une augmentation de salaire. Voilà. Allô? Merci. Maman, maman. Merci beaucoup. Maman. Merci. C'est impressionnant ce que vous faites. Les premiers jours, on a commencé à chauffer les poules là, j'étais malade. Je vois la mortalité, il dit merde, tu es entré dans quoi comme ça? Je voulais rentrer, il n'y avait pas moyen. Je n'ai pas su que vous pouvez tenir. So, tout ça, c'est grâce à vous. Vous aviez fait quelque chose de parfait. Je vous voyais dormir, chauffer les poules, c'était fabuleux. Donc, honnêtement, je vais m'assurer que vous ne regrettiez pas d'avoir choisi ce. De marcher avec nous. Je ne vais jamais. Je vais tout faire pour ne pas vous laisser derrière. D'accord. À la place. On ne laisse pas ceux avec qui on a piloté derrière. Quand il y a un vol, on va en première place avec eux. C'est très important. Parce que l'expérience qu'ils ont, tous ceux qui viendront après n'auront pas. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est ça qui va faciliter l'opération de l'autre côté. So, ici, c'est l'expérience qu'on gagne. On gagne l'expérience. On va faire de très belles choses ensemble. De très, très belles choses ensemble. Merci beaucoup. Nous allons nous charger de vous offrir quelques, je ne sais pas si ce sera des avions, mais quelques œufs que vous allez consommer. Merci. Au retour dans votre domicile. Merci beaucoup. Merci. Donc, je l'accepte avec joie. Je l'ai encore compte. C'est donc sur ces images que se termine la visite et la tournée de Nardine Wogibon, épouse Jonda. Les projets sont loin d'être achevés. Et nous continuons toujours à demander aux populations de Pinkamichel et environ de déposer les demandes d'emploi à la direction de la D et des salles. Merci de partager, de liker et surtout de commenter ce grand reportage de Mystère Donzo Tchoupé pour LST Média. Merci.